Tais-moi. C'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule. OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capté Radial Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, t'es bien chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. No one give a fuck, moi, de l'en main. Salut les gars, c'est Bandito, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du Best of Tonton les gars, un spécial Best of. Cette vidéo, ben, en fait c'est grâce à un abonné que je remercie énormément, Igor Simic. Merci beaucoup, en fait il m'a fait la surprise, il m'a dit Tonton, je vais te faire un condensé de scènes épiques de toi, de Tonton Bandidos. Et il m'a envoyé un fichier vidéo où il a fait plusieurs clips. Il a regardé plusieurs de mes vidéos, il a cherché plusieurs scènes épiques. Et du coup, il m'a dit, ben, tu as qu'à mettre la vidéo. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais rajouter quelques petites scènes pour faire la touche Tonton sur cette vidéo. Mais franchement, grand merci à toi, mec. Franchement, tu m'as donné... ben, en plus, ça rajoute un petit peu de fun à ma chaîne. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des likes. Je pense que si cette vidéo a plus de 500 likes, ce qui est la moyenne d'une bonne vidéo regardée sur ma chaîne, eh ben je ferai d'autres épisodes. Il y aura l'épisode sûrement 2, 3 parce qu'il y a plus de 167 vidéos à regarder, à scruter chaque scène. Donc franchement je pense qu'il y a moyen de faire pas mal d'épisodes. Sur ce, la vidéo va commencer, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis ciao les gars. Salut les gars, c'est Bandito, j'espère que vous allez bien. Coucou, il y a mon chat qui casse les couilles quand je commente. Et ben là j'ai dit tu vas venir sur la vidéo, on va faire un double face commentary, The Cat and the Band Tonton Bandidos. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait que si vous me croisez sur cette carte, aïe aïe aïe, faites attention à vos petites fesses parce que c'est la carte à Bandidos. J'ai mis ma série coup de cœur, le Warthog les gars. Franchement, le Warthog quand il arrive, c'est... tu fais des brochettes, des foot chips. Le Warthog c'est un bordel. Gars, j'ai eu la même époque que vous quand vous avez eu quand j'ai eu 15-16 ans. Eh ben, je découvrais les consoles, la Mega Drive, moi c'était quoi, la Super Nintendo. J'étais à fond dans Street Fighter, faisant oh you can, oh you can, oh you can, oh can, oh can. C'était quoi la Chun-Li là avec ses pieds là, t'es fou, j'ai geeké comme un porc sur Street Fighter, Mortal Kombat, avec les Fatality, t'arraches la tête et tout. Et ouais, mais ma mère elle rentrait dans la chambre, elle prenait peur. Elle me disait, wow, qu'est-ce que c'est du sang. Ah, t'inquiète maman, j'arrache une tête et tout, c'est pas grave, t'inquiète. Des fois, j'ai des amis à ma femme qui viennent, qui me disent, mais maman, travaille, ouais, t'as 32 ans, tu joues encore à Call of Duty. Ben je t'emmerde, moi je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Chacun décide sa vie, les gars, y'a pas de soucis. C'est dur de rusher, franchement c'est dur, je sais pas si vous avez pu voir, pour ceux qui suivent Tonio, vous avez vu sa première DN avant, mais il a fait sur la même map que moi, dans le même mode de jeu que moi. Il a fait des allers-retours derrière le gros cargo, là, enfin un genre de caisse là. Il a fait des allers-retours, parce que franchement si vous rushez dans toute la map, vraiment dans toute la map, franchement c'est impossible, vous avez toujours des respawns de merde, des mecs qui sautent de partout, des kangourous, frère. C'est quand il y a des maps, tu joues sur la map terrasse, c'est kangourous. C'est bataille Star Wars, frère. C'est retour du Jedi, tout ce que tu veux. Ça saute de tous les côtés, ça dash à gauche, à droite, en haut, en bas, en arrière. Waouh, c'est chaud à suivre. Moi, j'ai 34 ans, j'ai plus les yeux pour suivre tout ça, là. Vous qui êtes jeunes et tout, là, tous les petits jeunes. Franchement, vous devez bien vous gaver. Ça va être pas mal, ça va être facile. Il faut avoir du réflexe sur la manette et tout. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai encore le joueur à l'ancienne. La famille, il y a que ça de vrai. Et la console, il y a que ça de vrai aussi, les gars. Call of Duty, il y a que ça de vrai. Tonton, il y a que ça de vrai aussi. Non, je rigole. Voilà, le casque, il est là. Oh putain, mon dieu, me met un coup de griffe dans la gueule. Dis bonjour, t'as fait voir. Hey, y'a la famille. Wesh, wesh. Je suis pas de la génération trickshot, machin, tout ça là. Les cucuscopes, tous les machins comme ça là, voilà. Honnêtement, je respecte tous ceux qui font ça parce que franchement, c'est du gros boulot. Je m'en rends compte en essayant de faire des fois que finalement, c'est pas si facile que ça à faire un oscope, un flashcope, mes cucuscopes là. Voilà, moi je fais du rafafalscope, ça marche mieux. ça c'est la petite histoire qui continue. La dernière fois je suis tombé sur un sniper, il s'appelait... Putain comment il s'appelait? C'était un anglais. Brawling ou un truc comme ça, Brawling. Brawling XX, je sais pas quoi. Le mec il a joué only snipe, only jump snipe, c'est-à-dire il sautait, il mettait des no-scope, quick-scope, flash-scope. Tout ce que vous voulez, il rentrait sur le drapeau et bim, bam, bam, il a enchaîné des tripes et tout. Un mec, un démon. Franchement, j'en parle encore parce qu'il m'a marqué. Il a marqué tous les gars de ma team.
Aïe 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 aïe. Bandido c'est là, avec toute sa clica, ils vont pour tout nika. Et Bandido se fait niquer d'entrée, il va prendre le P90 pour tout niquer. Allez vas-y Kratos, vas-y vas-y prends le QG, il faut les niquer. On propose souvent des vidéos sans bouger, et ben moi aujourd'hui Toto Bandidos il va vous faire une vidéo spéciale 100% camping. C'est-à-dire comme on les aime, le barbecue derrière moi, la tente, le pack d'Heineken sur le côté. Et voilà. Et excusez-moi parce qu'il y a mon chat qui m'emmerde. Casse-toi, putain tu me fais chier là. Et c'est du bruit en plus ce con. Voilà là, lance-patate, là c'est la crise. J'ai pris un lance-patate, ça m'a mis les nerfs. Là j'ai eu le ciboulon qui est monté. Donc je recommençais à ce que je dire. Ouais, ouais je bégaye et tout. Mais c'est normal parce que comme je vais vous le dire, en fait mes commentaires sont toujours en direct. Quand je commente, quand j'appuie sur play pour enregistrer, record pardon, pour enregistrer, eh ben, quand je commence un commentaire, je le finis. Je suis pas là à le faire 10 fois, marquer sur un papier. Moi c'est du naturel 100%. Vous voyez encore, je me fais encore sniper. On voit pas la peine. Pardon, excusez-moi, je viens de manger là. Je me suis mangé des bonnes spaghettis à la bolognaise pour la Italia, amino. Des bonnes spaghettis. Et pas de maman ni de ma femme. Des spaghettis de Tonton Bandidos, les gars. Les bonnes spaghettis que vous en foutez plein partout sur le t-shirt. Vous avez le coin des lèvres rouges. Ça, c'est le morceau de gruyère qui pend du menton. Ça, c'est les spaghettis Tonton Bandidos. Capitulation de l'ennemi les gars, c'est du live. Ouais. Capitulation du numéro 4 mondial du QG. The best of OCB les gars. Yeah. Get him alive les gars. Je suis mort juste une seconde après gros. Juste une seconde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook pour être à la page sur mon activité. Je vous pose souvent des questions sur Facebook. Donc je compte sur vous pour me suivre. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. Et le final, comme d'habitude.